Qu'est-ce qui va pas chez Théodore? Oh oui. Oh, tu crois qu'un jour ça passera? Et souriez. Je crois que ça ne marche pas. Allez, on recommence. Vous êtes prêts? Oui, Stevie. Non, pas du tout. Les coqs anglais font coque doodle doo, mais les coqs français font plutôt cocorico, cocorico, cocorico. Tu vois bien que ça n'a rien. Relax, Simon, tu vois flou? Parce que tes lunettes sont sur ton front. Ma tarte aux pommes est le dessert préféré de Simon. Il sera incapable d'y résister. Oui, 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 bien sûr. Tu ne t'en souviens pas? Ce vieux bonhomme timbré avec sa casquette. Oh, arrêtez avec ces fantômes de malheur. Les malédictions, j'y crois pas, moi. Alvin, s'il te plaît, va-t'en. Ça devient gênant. Tout le monde n'est pas de ton avis, chanterelle chérie. Et on est là pour essayer de comprendre. Demandez l'avis du groupe. Après tout, on est ici pour ça, autant en profiter. Alors, qui pense qu'Alvin est le plus chou des chipmunks? Tu ferais mieux de te taire. Cheddar, tu penses qu'Alvin n'est pas mignon? Ah, parfait. Le popcorn à l'huile de truffe est meilleur que jamais. Nya. Ils ont dû partir quelque part sans nous. Oui, du genre, oh, regardez-moi, je suis Dave. Je fais semblant de m'intéresser, mais en vrai, je m'en fiche. C'est exactement toi, au contraire. Oh non, j'adore les costumes, Dave. C'est encore plus triste. Oh, le centre commercial charmant. Dave, peut-être que si tu passais plus de temps avec nous, tu saurais qu'on n'est pas des caricatures de filles. Super, Dave. Le plus important ici, c'est de toujours avoir 3 points de contact. Sans ça, tu ne peux pas continuer ton ascension. Dave, tu vas bien? Mort. Dave, tu t'en sors, ça va? Tiens bon. Ok, accroche-toi à moi et on s'occupe du reste. Ça va le faire, Dave. Le temps presse, dépêche. Allez, saute. Ok, ça y est, c'est nous. Et dès que tu auras fini tes feuilles, tu pourras manger ces légumes. Peu importe, je ne te demande pas d'avoir faim. Mange-les pour faire le plein d'énergie. Bah si, un peu. Bichette dans le sens un peu fraîche. Super, mais il nous reste un endroit à visiter avec toi. Oh mince. Simon, tu peux t'arranger pour qu'il le batte cette fois? Hein? Sérieusement? Ça ferait beaucoup de coïncidences. J'ai entendu dire qu'il a voulu échanger son skateboard contre un gris-gris porte-bonheur. Pour tout te dire, ce n'était pas un oiseau. Je préparais ma nouvelle recette de ganache et j'ai eu un souci. Le mixeur plongeant a pouf, explosé. Elle est totalement barrée. Mais elle gagne le concours de pâtisserie chaque fois qu'elle se présente. Ouais, elle fait peur et c'est notre adversaire. Alors, on s'entraîne. Tu es prêt? Je lance le chrono. La farine. Le beurre. Les œufs. Vite. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est justement pour ça qu'on s'entraîne. 8 minutes. 14 secondes. Oui. C'est nous deux. Ouais. Ouais. Oh, pardon. Je me suis laissée emporter. Bon, allez. On va travailler notre glaçage. On n'a que 7 minutes. Vite, le sucre glace. Et le beurre. On forme une super équipe. Ça va, vous gênez pas? Vous ne frappez plus avant d'entrer? Oh, ouf, sauvé. Super, au travail. Il reste quelques minutes. On va en profiter pour s'entraîner une dernière fois au glaçage. Oh, Théodore! Tu as de nouveau des boutons sur le visage. Tu as mangé quelque chose, Théodore. Ne me mens pas. Tu fais clairement une réaction allergique. Attends, je ne gagnerai jamais sans toi. Théodore, qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu plaisantes? Tu es ma petite arme secrète. Oh, je n'y aurais jamais pensé toute seule, Meredith. Qu'est-ce qu'on ferait si vous n'étiez pas là? Saladier. Fouet. Vite, la farine. Lait d'amande. Chocolat. La levure. Théodore. La levure. Vite. Théodore. Théodore. Est-ce que ça va? Bah non, le concours s'est arrêté assez brutalement. Mais on s'en fiche, on retentera l'an prochain. Hé, Alvin. Tu peux pas aller faire du vélo ailleurs. Ouais, désolé, fais pas attention. Je suis juste un peu à cran. Brittany est clouée au lit depuis 3 jours et s'occuper d'elle est un véritable calme. Je veux bien la petite clochette. Non, pas pour le moment, mais va pas trop loin. Non, non, je voulais tester la clochette. Être sûre qu'elle marche. Oh, quel soulagement. Ouh, il est parti. Oh, j'ai des chaussettes qui sentent le fromage. Attends... Oh, quelle puanteur! Oh, elles sont sous mon lit! Ben, en fait, ça fait un moment. Enlève-moi ça! Hors de question! Ça fait à peine 2 jours. S'il te plaît, essaie de tenir le coup 1 jour de plus. Je ne connais qu'un truc pire que la musique de ce type. Oh, en fait, non, il n'y a rien de pire que ça. Oh, trop méchant. Oui, mais ne t'abaisse pas à leur niveau. Ce sont des personnes méchantes et lâches qui se cachent derrière leur ordinateur en cherchant à blesser les autres et à leur gâcher la journée. Oh, tu chantes comme une casserole. Trop bizarre, ta coupe de cheveux. Ta tête ne me revient pas. Oh, Jeannette, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait? Jeannette. Oh, je suis désolée que tu te sentes mal, vraiment. Mais tu sais, tu as déjà fait ça 2 fois dans la journée. Alors je me disais, peut-être qu'on va éviter l'eau près du micro, d'accord?
bon. Il ne te manque plus qu'une décoration de fruits frais et tu seras fin prêt pour le concours. Je reviens dans une heure ou deux. PS, ne mangez surtout pas le gâteau. Voilà. Je t'aime fort, gâteau, je t'aime fort.